Salut à tous, ici Carboom, bienvenue dans ce platformer de l'impossible, Carboom Flash numéro 3. Et pour le numéro 3, quoi de mieux que l'un des classiques des platformers de l'impossible? J'ai nommé le très célèbre et redouté Give Up. Alors ce jeu est réputé et est connu pour bien porter son nom. Le but du jeu est de nous faire abandonner. J'ai déjà réussi à finir deux plateformers de l'impossible, celui-là ne me résistera pas, d'autant que je l'ai déjà fini deux fois, cet enfoiré mondain, à plusieurs mois d'intervalle. Ça fait déjà... les trois parties de Give Up seront à plusieurs mois d'intervalle, parce que quand même je tiens à ma santé mentale. Donc, sans plus attendre, commençons. Ok, faut que je me souvienne un peu des contrôles. Let's go! Cet enfoiré donc qui ressemble à Gladius s'appelle Tasselbot, c'est également le nom du studio, donc en quelque sorte les développeurs. These are just warm-ups. Let the blood. Let's get the blood flowing. Can jump that high. Try jumping twice. No, this is the last time I'm helping you. Vu comment tu vas être un enfoiré après, je me demande même pourquoi tu te donnes la peine de m'aider. Ah, Tasselfoot. Je sais pas pourquoi je disais Tasselbot. Je n'ai aucune idée de si ceux qui ont fait ce jeu ont fait d'autres jeux. Je sais qu'ils ont fait un deuxième Give Up. Mais je ne sais pas du tout si ils ont fait d'autres genres de jeux que des platformers destinés à nous faire crever. Et comme je vous parle en plus, je ne me concentre pas à fond sur ce que je fais. Ça risque peut-être de compliquer un peu ce let's play. Mais bon, c'est ça aussi le but des platformers de l'impossible. C'est le défi. Oh, par contre, j'adore la musique de Give Up. Ça, c'est très cool de la part des développeurs parce que ils nous torturent, mais ils nous torturent tout en nous mettant de la bonne musique. Donc, ça aide un peu. Oh, je passais sur celle-là. Donc bon, l'avantage, c'est qu'il y a un compteur de mort et de temps. Hop. Ouais, non, il faut pas me la compter, celui-là. Oh, ouais, t'es un sac, hein. Allez. Voilà. Content. Content. Allez, là, on est vraiment dans la partie facile, avec juste des pics. Mais après... Ouh. Pour ceux qui ne connaissent pas, franchement, c'est une expérience à vivre. C'est le jeu qui défie votre mental. C'est le jeu qui défie votre mental et vraiment vous fait comprendre que vous n'êtes pas le bienvenu dans ce jeu. Ah la vache. Ah, en termes de jeu, le joueur contre le développeur, ça se pose là quand même, celui-là. Allez. You'll never catch me! Fuck you! Bon, j'en suis à combien de morts? 6. Il n'est pas rare. Putain, c'est merde. De finir le jeu avec quelque chose comme 200 morts hein, dans le kill count. En tout cas, de ce que j'en ai. Mais pourquoi? Pourquoi je me la suis pris celle-là, putain? Alors si maintenant la Xbox décide de me d'être pute alors que le jeu est déjà bien... Oh fils de... Oh. Mais putain, mais pourquoi ça me touche cette merde? Bon, j'ai choisi un moment où j'étais seul pour enregistrer cette vidéo. Vous... Putain, mais pourquoi il ne saute pas? Vous comprendrez très aisément pourquoi. Ness, j'appuie sur le bouton de saut, il veut pas faire son double saut de merde. Putain, pourquoi je suis autant synchro avec cette deuxième, ce deuxième canon de mes couilles? Ah, enfoiré. Ah, enculé, j'en suis au 13ème étage. 13ème niveau, ok, je sais pas combien... J'ai fait un tiers, enculé. J'avais oublié celle-là. Ouais, donc à chaque fois que je vais mourir, il va me lâcher juste au-dessus des pics. Fumier. Oh, mais...
Allez. Étrangement, il y a pas mal de gens dans mon entourage qui refusent de tester ce jeu. Juste de faire une partie dessus, quoi. Et franchement, je ne comprends pas pourquoi. Quoi de mieux qu'un jeu de peinture où tu peux repeindre les murs avec ton propre sang? Ah, fils de... Beaucoup trop exposé dans ce croisement. Allez! Allez! Ah, fils de... Et là, les plateformes... D'enculé de ta mère. Oh la vache. Alors j'ai déjà... J'essaie de vous parler en même temps que je joue, ce qui est très mauvaise idée quand on joue à Give Up. Pour ceux qui ont déjà fini le jeu, essayez en parlant à un pote, vous verrez le résultat, surtout si le pote a la bonne idée de vous emmerder en même temps, ça peut être très drôle pour lui. J'essaie de vous parler donc un peu de Gaboum Flash, putain. En plus, c'est la première vidéo que j'enregistre après la Comic-Con, bordel de merde. Donc oui, sur Carbon Flash, j'ai donc, préparé une nouvelle catégorie qui sera donc probablement, un de ces jeux pour le Carbon Flash numéro 4, parce que déjà je suis bien là sur Give Up, putain. J'ai d'autres plateformeurs de l'impossible, donc vous en faites pas, je continuerai à m'infliger ce genre de trucs, mais je ferai peut-être une pause avec un jeu d'une autre catégorie avant ça, histoire de... Ah putain, ce feu de croisée de merde. Donc voilà, le prochain Carbon Flash ne sera probablement pas un platformer de l'impossible. Ah, j'ai même oublié de lire les répliques de Tasselfoot. Si vous n'y avez pas pensé, je vous invite à les lire. Parce que cet enfoiré se fout bien de notre gueule pendant tout le jeu. Ah. Me demande d'abandonner, mais je n'abandonnerai pas. Ça me fait bien trop plaisir de t'emmerder en te montrant mon cul à chaque fois que je passe devant ton œil de merde. Donc voilà, les Carbon Flash continuent. Ouh. Et la prochaine vidéo sera une autre catégorie. Ah. Putain, je vais essayer de bouffer dans la gueule celle-là. Et donc, au passage, donc oui, c'est la première vidéo que j'enregistre après la Comic-Con. Donc déjà, gros coucou à tous nos copains britanniques que j'ai pu rencontrer et qui ont pu me rencontrer du coup là-bas. Donc à l'heure qu'il est, Scar a... fini le vlog, c'est ça. On prépare d'ailleurs quelques autres. Oh non. Oh non. Oh, je sais bien les niveaux qui suivent celui-là. Oh non. Oh non, non, non. Oh non, ça va chier pour les suivants. Leur acuité visuelle est basée sur le mouvement. Que dalle. Il te tire dans la gueule si tu bouges pas. Oh, nique ta mère. Yes. Et donc du coup, donc déjà gros coucou à nos amis britanniques, enculés. Ah, c'est au jeu que je dis ça, pas à nos amis britanniques, parce que franchement, ils étaient adorables. J'ai passé un super moment, tout le contraire de ce moment-là en fait, donc en Angleterre. C'était vraiment génial de rencontrer tout le monde, ça a été vraiment un super moment, une super expérience. Je ne sais pas encore si je remettrai ça en octobre parce que ça a été quand même coton organisé, putain. Bref, donc je ne sais pas encore, l'avenir nous le dira si on peut réitérer ça en octobre, mais si j'en ai la possibilité, avec grand plaisir, pour remettre ça dès qu'on aura l'occasion, parce que c'est vrai que c'était quand même un super moment. Des trucs super cool. Vous avez vu mon gros moment de fanboy sur putain, pas sur putain. Vous avez vu mon grand moment de fanboy en rencontrant Tomska, donc un youtubeur que je suis depuis des années. Pour ceux qui connaissent ses vidéos, faut dire j'ai connu ses vidéos quand il a sorti ASDF 4. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, il en est actuellement à la ASDF 10 et il en a sorti presque un par an. Donc voilà. Et donc du coup, le rencontre en chair et en os, ben ça faisait bizarre quoi. Il n'y avait pas l'écran, il manquait l'écran. Fuck you. Ah, putain, il a attendu pour me tirer dessus, cet enfoiré. Mais tire quand tu dois tirer, connard. Attends pas que je sois bien dans ta ligne de mire pour tirer. Même si c'est ce que doivent faire les gens un minimum. Putain. Je boude. Bah tiens, enculé.
Putain. Attention, 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 attention. Oh les lasers. Alors là, oh merde. En fait, il se ralentit quand il s'approche de toi, mais il ne revient pas en arrière. Et là, vous voyez là où je suis. Il y aura un bon laser là-dedans. Bon, déjà, faut que je réussisse à faire mes doubles sauts comme il faut. C'est de bon augure. Oh putain. Ce jeu mériterait une thèse sur l'art d'être une pute. Attention, parce qu'il peut tourner. Je suis mort sur le laser. Oui, il y a des fois où tu meurs sans savoir pourquoi. Pourquoi. Mais pourquoi j'ai toujours une mode gratos en foiré. J'ai joué au premier Mario en foiré mondain. Tu ne mourras pas avec tes putains de lasers de merde, c'est rien comparé au château de Bowser. Putain. Connard de canon synchro avec tes fesses. Non, ce n'était pas une bonne idée. Ce jeu n'était pas une bonne idée, mais c'est le classique. Il faut le faire. This is tricky. I do not think you could. I could do this. Mais parce que tu es une merde à se foutre. Alors que moi, je me dédie à battre des jeux avec impossible dans le nom. C'est juste qu'ils savent prédire l'avenir. Non. Nier. Fuck. Oh putain. Oh, celui du dessus, il est bien. Il est bien placé, cet enculé. Putain, je me fais tringler par tous les côtés en même temps. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Mais laisse-moi bouger. This is the easy stuff, c'est ça. Il y a trois niveaux, tu savais pas le faire, mais là maintenant c'est facile. Toi de ma gueule. Ah non, mais il m'a touché à travers le sol en plus, cet enculé. Non. Je vous sens merde. Mais niquez vos... Fuck. J'en suis qui à l'étage 31, 124 morts. J'ai même pas fait gaffe. Rien à foutre du compte de mort. Niquez-vous. Perso à la con qui peut pas se baisser. Allez, j'ai fini cette merde. Deux fois. C'est que la troisième. Non mais vraiment là les développeurs ont timé ce putain de jeu de merde. Pour vraiment ton cul. Non, je peux pas attendre quoi. Si j'essaye, je me bouffe cette foutue balle dans la gueule. J'espère vraiment que vous appréciez le spectacle parce que franchement, là, j'en peux plus. Culé de vos races de putain.
J'aurais bien été tenté de défier mes collègues youtubeurs britanniques dans ce jeu pour voir combien de morts et en combien de temps ils le font. Mais maintenant que j'y joue, je me dis non, moi il a fait de mal les pauvres. J'ai peur de demander ça quand même. Quel culé de... Le pire, c'est que je suis sûr que c'est ce putain de niveau qui est le... En fait, techniquement, le plus dur du jeu. Ah, putain. Voilà, ils ont enlevé le laser. Maintenant, je peux faire ça. Culé. Voilà. Ah, mais quoi? Allez, je suis à 80% du jeu. Allez, il en reste plus grand-chose. Là, on est dans la partie beaucoup plus facile que le dernier niveau juste avant. Le dernier niveau juste avant, il est infernal. Et vraiment, j'ai remarqué à chaque fois que c'était, malgré tout... plus facile de passer les niveaux suivants. J'ai foiré mon saut. Putain, je suis sûr que si j'étais en contact avec les développeurs, ils seraient en mode ouais, j'ai fini Game Up 3 fois, et les autres sont en mode mais pourquoi tu te fais du mal? Je suis sûr que ce genre de jeu, même les développeurs, ils sont en mode mais pourquoi vous infligez ça? Ça fait mal quand même de jouer à ce jeu. Et nous on est en mode parce que on est masochiste quelque part. Parce qu'on a envie de faire plaisir aux gens. Parce qu'on en a marre de la vie. Parce qu'on a envie de. Parce qu'on a perdu un pari, sinon aussi. You will never win. No. But I could lose. Again, and again, and again, and again forever. Ah putain. Alors bizarrement les gens ils font le Ice Bucket Challenge, mais le Give Up Challenge là ils osent pas, hein. Bande de fiottes. Ah oui, vider un seau de glacer sur la gueule et de choper la crève, ça c'est pas de problème. Par contre jouer à un jeu qui a été fait pour t'emmerder, alors là non, quand même, désolé, mais excusez-nous, hein, on a des droits humains quand même. Cela fait maintenant 23 minutes que je joue. Je suis à 80%. Nous sommes à peu près à 300 morts. Ça veut dire que on a enculé ce jeu à 80%. Ça veut dire que sur 10 cm, nous en avons enfoncé 8. Il n'en reste plus que 2. Il reste donc combien de niveaux? Ouh, tant que ça, merde. Je suis au niveau 33. Let's go. Ils ont des axes, mais monstrueux, qui couvrent presque tout ce que tu peux faire compte tenu des plateformes. C'est super intelligent comment c'est placé. C'est vraiment mis de sorte à ce que toi tu sois obligé de viser certaines trajectoires et donc de faire ces trajectoires et de passer dans les rayons, dans le ligne de mire des canons. Putain, je suis qui tirait beaucoup plus mal que ça les canons quand même. Putain d'enculé de ta race! Nique ta mère! Putain, il a été décalé. Ça va peut-être me donner un poil plus de chance. Oui! Ok, c'est bon, il bouge. Voilà. Là, c'était chiant. Là, ça devient faisable. Oh! Ah, j'avais oublié ça, quoi. J'avais oublié ce truc-là. Mais... ah, les blocs invisibles ne me protègent pas, putain. J'ai oublié ce détail. Ah. Non! Oh, je la fais! Enculé! Je l'ai eu.
Ah, ils ont enlevé les trucs des canons. C'est inespéré. Petit fils de pute. Là, de passer par le dessus, ça devient littéralement le seul moyen de gagner. Avec un peu de chance et de ta mère la pute. Ah, mais nique ta roulette. Oh, oh, oh. Oh, je ne sais pas comment j'ai fait ça. Je n'en ai aucune idée. Ils ont eu le canon. Non, non, non. Let's go. Moins d'une demi-heure. J'ai battu mon record personnel en temps. Oh. Oh. On laisse le petit message tourner à la fin. Oh la vache. Oh. Pour citer Undertale, détermination. Donc oui, et oui, pour ceux qui se demandent, j'ai vaincu Sans sur Undertale en Genocide Mode. Donc après ça, Give Up ne paraît pas insurmontable. Oh. Je profite du générique donc pour mentionner les petits posters de la Comic-Con que j'ai derrière moi. En fait, vous pouvez voir derrière donc en grand le poster Crash Zoom, donc une série animée par Tom Ska et des amis. Des amis à lui, hein, pas d'amis à moi, malheureusement. Et également le poster de Game Hog que vous pouvez voir un peu dans le coin. Le petit truc rose. Donc c'était Give Up, je vous dis donc, je vous donne rendez-vous pour un prochain Carbon Flash, pour un nouveau, qui ne sera pas un platformer de l'impossible, ce sera donc une nouvelle catégorie, mais il y aura d'autres platformers de l'impossible après, j'ai déjà les titres de ceux que je vais tester. Si vous vous sentez d'attaque à vous mesurer à Give Up, mes condoléances, bon courage, c'est... Quelque part, je m'attendais à rager plus que ça, mais en fait, j'étais tellement dans un bouillon de douleur que ça sortait pas, ça brûlait à l'intérieur, ça explosait, mais à l'intérieur, c'était des implosions, en fait, tellement je rageais. Ah, putain. Je sais pas ce qui m'attend pour le prochain Gladformer, si ça va bien se passer ou pas. D'ici là, portez-vous bien, abonnez-vous au Facebook, au Discord, au Twitter, et je vous donne rendez-vous pour un prochain Carbon Flash. Ciao tout le monde.